Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu casses les couilles, il y a des routes là. Eh ben on part de là, Mongol, normal qu'on part par là. Tu pars à moi là? On part de où? On part de là. Est-ce qu'on a, on a embêté quelqu'un? On a embêté personne. C'est juste vous êtes jaloux, c'est tout. On va faire une moto, connasse. Qu'est-ce que c'est faire foutre? Burn the gum, not your soul. Garvin Moto. Ça va? Ouais. Petit souvenir hein, qui du mariage, ça vous rappelle rien ça? Ah. Oh non, 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 non. Bon, vous avez vu un petit peu cette verdure, nous sommes dans le fin fond du monde. Non, non, en fait on est juste à 20 minutes de Bordeaux. Et oui les gars, vous voyez comme quoi Bordeaux il y a de tout, c'est le top, c'est le feu, c'est énorme, c'est magnifique. Regardez-moi cette organisation de fou, c'est pas beau ça, vous êtes au top les gars! Alors tu me dis à droite, à gauche, Emric, putain Emric, ça me disait à droite ça, non, mais nom de Dieu! C'est bon, ça passe! Oh, putain, le petit extérieur du virage! Oh oui, oh oui! Nous sommes actuellement à 30 km/h, je vais te bloquer! Ah ah ben non! Je ne peux pas, je dois fermer le cortège. De mon pote, check. C'est ça les gars, le Rad Life. Vous voyez, même si dans les ronds-points, on sait qu'il avance pas trop, il a l'esprit. Non, je rigole. je plaisante, ça va, ça va. Allez, on fait chauffer la gomme parce que là, je sens qu'il va pas y avoir de virage. On penche droite, gauche. Droite, gauche, droite, je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais de tout petit rond, je fais de tout petit rond, et je roule en avant, je mets le pouce devant, je mets le pouce derrière, je fais de tout petit rond. Je sais, alors les gars, pour que vous sachiez un petit peu, Louis, donc Louis c'est le mec que vous allez voir tout en blanc tout à l'heure, oh putain là, ça penche ma poule, et en fait il a acheté tout l'équipement, il a acheté une MT blanche, blanche et carbone avec tout l'équipement, elle est vraiment jolie, et pour ceux qui ont un petit doute sur la MT, elle lève jusqu'en troisième avec l'embrayage, et elle lève même en deuxième à l'accélérateur, donc putain c'est... C'est quand même assez chaud parce qu'elle a pratiquement le même nombre de chevaux que moi, mais sauf qu'elle fait 40 kg de moins, donc bon. Si je peux vous conseiller entre Gladius et la MT, prenez une MT, même si c'est beaucoup plus cher. Après, selon votre budget, prenez Gladius, hein, c'est très bien aussi. Mais si vous avez envie de faire un peu de wheel et tout ça, prenez plutôt un MT. Oh putain les gars. Problème d'itinéraire, nous allons aller dans la forêt. Je crois que le GPS a dû avoir un petit soussail. Parce que un peu plus nous étions chez Janine. On allait boire le café chez Janine. Putain Janine, le café il est pas prêt, comment on fait? Et comment on fait? Allez on attaque là parce que là. Wow, regardez-moi ce paysage. Petit bar restaurant, si vous voulez boire, vous venez pas ici, c'est fermé. Aïe, il y a un truc qui vient de taper là. Excuse-moi, mais il y a l'abeille, je t'ai niqué, je crois. Bah oui, bah excuse-moi, hein, t'as bougé, moi je suis arrivé. Hein. Ah, voilà Arnaud, ça c'est quelque chose de bien.
Petit décalage à droite, petite passe. Tiens la passe de précision et coup franc. Oh, ça va but. S'il y en a qui sont pas du club, si si, ils sont tous du club en fait. C'est juste qu'ils ont pas. Il y en a certains qui ont pas leur veste et il y en a d'autres qui les ont mis au sale. Donc du coup, ben, ils ont pas non plus. Donc voilà pourquoi il y en a qui en ont, d'autres qui en ont pas. Mais tout le monde fait partie du Rad Life, les gars. Donc regardez-les bien parce que vous les verrez tout le temps. Oh putain, il a mis le baudrier. Alors là, il a mis le baudrier, on doit respecter. Attention. Ah putain, vous imaginez pas là, le temps il est juste parfait. Salut ami. Putain, je te jure, c'est de bande. Dans l'infini, oh là là. Dans les petites villes, les gars, c'est qu'au lieu de vous insulter, eux ils aiment ça. Oh putain, mais il y a un radar là. C'est combien la limitation ici? Je sais pas du tout combien c'est. Qu'est-ce qu'il fout là, ce radar là, sérieux? Je ne savais pas qu'il y avait ce radar, monsieur l'agent. Moi, je suis arrivé, j'ai vu personne et tout, je suis passé normal. Putain, les gars, on dirait la voix de Scooby-Doo. Nous avons besoin de toi. Il a pissé. Ils m'ont pas vu, putain. Je voulais lui faire une petite dédicace là. Une petite dédicace pipi. Il m'a pas regardé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pisser. Bonjour. Tu fais gaver de bruit, gros, quand on accélère tous les deux, mon casque et tout, ça résonne, j'entends plus rien, gros. Entre là et devant, mon gars, j'en peux plus. Oh putain, où on va, là? Où on va? Un supermote! Un supermote! Oh là là, elle m'en prend plein la gueule. Oh les gars, c'est les aléas, hein. C'est les aléas de la vie, on va dire. Voilà, putain, on va s'arrêter les gars, je vais m'en prendre plein la gueule. Vous pouvez voir, elle me dit, ouais, c'est quoi ces routes pourries, mais oh putain, regardez, ils sont tous là.